les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Astronir. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au cœur de Vesania. On avait commencé à creuser la dernière fois pour voir si ça marchait bien. Et oui, c'est bon, ça a l'air d'être pas mal avec le devant. Alors, on va peut-être pas emmener tout ça. C'est jamais qu'on plante le rover. On va quand même... on peut laisser ça. Hop. On a de la latérite, nous, là. Apparemment. est-ce qu'on a besoin de tout ça? Bah non, je peux même virer ça. Ça, on en a besoin. Ça aussi. Est-ce qu'il y a devant aussi? On est bon. Et d'ailleurs, je fais même... Histoire de gagner un peu en visibilité, on va mettre ça là. C'est parti! Hop. Ah, je sais ce que j'oublie. Je voulais prendre l'oxygénateur. Comme ça, on pourra tirer des rallonges depuis... Ouais, du coup, on va le mettre là. Comme ça, on pourra tirer des rallonges depuis le rover si jamais... on va prendre ça. Est-ce que... Ouais, ça fait pas grand-chose. Un composite, on peut en refaire. Après, je sais pas si on en fera beaucoup. Hein. Bon, on va pas les faire, on va rester dessus. D'ailleurs, hop, ça on peut virer. On n'est pas full en nitratine. Et sur notre fusée, il nous reste. On peut peut-être en prendre un. Passer au cas où. On va sortir d'un mauvais pas. Hop, allez, c'est parti. Hop. Alors, on était déjà allé loin. Hop. Et ben on va continuer du coup. Hop. Notre descente vers le cœur de Vesania. Alors par contre, ça m'embête. On peut pas être plus raide que ça. J'aimerais bien. Allez. Du bas. Mais je crois que c'est notre notre lisseur qui nous permet pas d'aller plus d'être plus raide. Bon, on va essayer, mais j'ai des doutes que ça marche. Ah non, on n'est pas assez raide, les amis. Hein. On va jamais arriver au cœur de la planète avec ça. Par contre, ça va super vite. Hein. Ouh. On verra jusqu'où ça nous mène. Là, je vais à fond de balle. Ah, excellent. Ouais, là, je suis le plus raide possible. Si ça se trouve, on va atterrir de l'autre côté de la planète. Enfin, pour le moment, on est vraiment en train... Oh, oh, c'est bon. Bon, bah finalement. On va arrêter ça. C'est bon, mais je sais pas dans quel sens je suis. Où est ma route? Hop. On a un peu coincé notre rover. Hop. Parce que on est sur... Alors. Notre descente, elle est là. Donc ça, c'est bon. C'est juste que notre rover, maintenant, il est coincé contre un machin, là. Un truc bidule. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais il va falloir l'éjecter de là. Comment est-ce qu'on va l'éjecter de là? Parce que du coup, la gravité va contre ces trucs-là. Donc, ouais. On va essayer de reculer un tout petit peu. Voilà. Est-ce que ça tient, ça? Non, ça tient pas. Là, est-ce que ça va tenir? Ça a l'air. Ok. On va peut-être... Ouais, maintenant que j'ai une lumière, on va s'en servir. Ah ouais, c'est bien la lumière, ça. Hop. Alors maintenant, ce truc-là, va falloir trouver le sens dans lequel ça va.
Je pense que ça pointe par là, donc on va falloir descendre. Hop là. Alors moi par contre, hop là. Ah, c'est perturbant. J'ai pas de mini GTR. Voilà ce que j'ai oublié. Ah bah ouais, mais je vais en avoir besoin moi. Ah, quoique, non. Ce qu'on peut faire... Bon, c'est tout. On va faire avec la rallonge. Et puis on verra bien. On va essayer de voir par où ça va. Hop. Voilà. Rallonge. Voilà. Donc je pense que... Il suffit de suivre là, dans ce sens-là. On voit des trous là-bas. On n'est pas loin. On n'est pas loin. D'ailleurs, j'ai une rallonge qui est tombée là. Hop. Voilà. 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 On a un truc qui dégage du poison là. Non. Ah non. Ah non. Bah non. On a perdu tout notre stuff du coup. Bah c'est tout. Comment est-ce qu'on va redescendre? Bon, déjà. Je vais reprendre un petit GTR tant que je suis là. Par contre, ouais. On va essayer de descendre. J'espère que l'oxygène va tenir jusqu'en bas. C'est chaud. Hein. C'est chaud. On va y aller en... Ah, faut pas aller trop vite. Hein. Hop là. C'est un coup à se tuer. Je l'ai déjà fait. Je parle d'expérience. Hop. Hop. Quelques petits coups de frein. Surveiller l'oxygène. Ah là là. Un petit coup de poison et on est vite mort. Hein. Je me suis à peine rendu compte. Après, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Hop. Ah, allez. Faut qu'on retrouve notre véhicule. Vite, vite, vite. Ah, on est déjà à moins de moitié d'oxygène. Hein. Ah là là. C'est bon, il est là. Yes. Alors, maintenant, on va retrouver notre corps sans s'empoisonner plus. Hop. Alors, je sais pas où... Alors, c'est trop loin. Allez. Hop, il y a le poison là. Faut pas remourir. Hein. Ah! Ah, oh, mais non! Ah là 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 là! Comment est-ce que je vais faire? Oh, c'est tout, on va recommencer. C'est où? C'est là-bas. Alors, on refait un petit slide? Allez, c'est parti. Bon, maintenant déjà, je stresse moins. Je sais qu'il y a moyen de le faire sans. Juste que je me pète pas la tronche. Alors, je vais un peu plus vite. Je tente des choses, me dis, tant qu'à faire. Hop là. C'est après ici qu'il va falloir faire attention parce que ça descend un peu plus sans piquer. Hop là. Et c'est bon. Mais c'est après que ça se complique. Ah, j'ai tout qui... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah... Oh lolo, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Hop là. Hop. Ouais, c'est la merde parce que la gravité, elle est un peu... Un peu étrange par ici, du coup, il y a tout qui part dans tous les sens. J'espère que je vais pouvoir récupérer un maximum de choses. Oh là là. Où est cette plante? Est-ce que je peux la voir quelque part? Parce que ça doit être ça, non? Ah, évidemment. J'ai pas mon forêt. Non, c'est pas ça. Il est là.
Ah, on peut pas la casser. Hein. Ah, il m'envoie encore du poison. Hop. On va essayer de passer par l'autre côté. Par ici, hop. Ah non, non. Oh. On s'éloigne. Ah, j'ai pas retrouvé tout mon stuff. Hein. J'ai ma réserve d'oxygène. J'ai pas mon overboard. Il me manque un outil là sur le pistolet. Je sais plus tout ce que j'avais. j'ai pas retrouvé mes rallonges non plus. Ce serait bien. J'ai mon composite. Je sais pas comment je l'ai récupéré, mais je l'ai récupéré. Alors, est-ce qu'on n'a pas des trucs qui traînent par ici ? Oh, je vois rien. Non, je crois qu'il y a des choses qu'on aura perdues. Hein. Bon, ça, hop. Et on est en train de se refaire prendre du poison. Bon, on a du composite. Donc déjà, on va pouvoir refaire des rallonges. C'est quoi qu'on a pas... Voilà, c'est le module large qu'on a. Donc c'est le boost qu'on a plus. Ah bah c'est tout. On va faire avec. Hop. Bon, on se récupérera à la maison quand on rentrera. Maintenant, ici... voilà. Hop. Ah, évidemment. Mais j'en ai besoin des rallonges. En plus, j'ai le poison qui me suivait, là. Je crois que c'est bon, on est hors de... Ouf ! Ah. Mes rallonges viennent pas, et puis après, j'insiste, il y en a plusieurs qui viennent. Hop. Allez, hop. On y est presque. Je sais pas du coup... ce qu'on va avoir besoin, donc on fera sûrement un aller-retour sur Silva après tout ça. Ah, j'ai plus... Ah, mais... je pense avoir plus de rallonge, il m'en donnait pas, et puis comme tout à l'heure. Hein. Allez, hop. C'est pas grave. On en a encore une, hein. Voilà. Voilà, encore là. Hop. Par contre, là, j'en ai plus. Va falloir essayer de se faire un point de repère. Hop. Est-ce que je peux faire... On va faire quelque chose. Petite rampe comme ça. Je pense qu'à l'intérieur là, on n'en aura plus besoin. Alors, hop. On va juste faire un point de repère pour hop, savoir par où aller. Voilà. Alors, on a la boule de recherche qui est venue jusque là. Je pense que ça se passe de l'autre côté. Et là, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce donc ça? Qu'est-ce donc? Alors, on va aller voir la... Hop, ressources. Qu'est-ce que ça peut être? Un gaz? Non, ça ressemble à aucun gaz. C'est pas la poudre explosive. Ouais, ça ressemble au graphène. Hop. C'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Eh ben, let's go. On va retourner sur Silva, chercher du graphène. Et activer tout ça. Hop. Et au passage, on va prendre ça. C'est dommage que j'ai plus mon overboard. Il va falloir en recrafter. Hein. Ça m'ennuie fortement.
Je dirais même, je suis deg. On a des puces exo. Hein. On va refaire. Allez, hop. Alors, j'ai plus de place. Hop. Hop. Allez, la boule. Voilà. Je vais revoir quand même si. Les trucs ont quand même pas disparu comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on a? Hydrazine, mon boost. Ah mais des trucs qui sont peut-être tombés dans le trou là. J'aimerais bien retrouver l'overboard moi. Ah, il y a un truc là. Hop, ah des rallonges. Ça, c'était pas trop grave. Là-bas. L'overboard! Oui! Bon, il manque juste ma lampe. Mais bon. Je crois qu'on va faire sans. Et puis c'est tout. Hein? Bon, on va en refaire une à la maison. Allez, au moins on a récupéré l'overboard, ça c'est cool. Hop. Allez, hop, on fait demi-tour, sans tomber, on va essayer. Parce qu'avec la gravité qu'on a ici, c'est chaud, hein. C'est bon. C'est parti, mon kiki. On va pouvoir descendre en overboard, je pense, parce que là... On n'a pas besoin de reprendre le camion. Alors faut que je fasse attention parce que avec la gravité qu'on a ici. Oh c'est chaud, c'est dangereux. C'est bon. Alors qu'on va commencer à avoir une gravité plus normale. Ça a l'air d'être bon. Ah j'en reviens pas quand même de la vitesse à laquelle on est descendu. C'était limite flippant à certains endroits, mais bon. Au moins avec ça, on met pas des plombes pour aller jusqu'au cœur de la planète. Donc ça c'est cool. On commence à être bien équipé là. Allez ça y est. Hop. On fait un petit aller-retour vite fait. Est-ce que je peux pas déjà prendre genre les boules de recherche? Ce sera toujours ça en moins à devoir compacter pour transporter. Hop. Ouais, tu sais quoi, on va déjà prendre ça aussi. Toujours ça en moins. Et oxygénateur, on peut le remettre dedans même si on va pas le laisser là-bas. Bon allez, on va prendre l'autre GTR comme ça. Ça sera fait. Voilà. C'est parti. On va chercher notre ressource, le graphène. Et on pourra prendre de l'hydrazine au passage aussi. Hop. Sylva. Du coup, la prochaine planète qu'on activera le cœur. Je sais pas, peut-être la lune de Vezania. Je sais plus comment ça s'appelait, mais Vezania est une lune. Donc ça pourra peut-être être une possibilité. On verra peut-être la liste, sinon la liste qui nous ont fait, comme ça on fera dans l'ordre.
Hop. Là. Alors. Avant qu'on oublie, on sort tout ça. Hop. On met déjà à chercher. Et ça, on va garder là. Hop. Je me ferais bien encore un autre GTR parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin de plus de GTR pendant nos prochaines activations de nœuds. Graphène. Qu'est-ce qu'on a besoin pour le graphène, s'il vous plaît? Je pense qu'il va falloir qu'on se fasse une usine à graphène un jour. Ce sera pas compliqué, hein. Juste un labo de chimie en plus de l'usine à hydrazine et une source de graphite. On pourra le faire à côté de l'usine à hydrazine d'ailleurs. Du coup, hop, on va faire le plein d'hydrazine. Hop, on en met un là. Et on va en prendre pour... Hop, alors il y en a un qui se met sur... Parfait. Et un qu'on va garder pour... Hop, notre navette. Comme ça. Et hop, allez. Mets-toi dessus, voilà. Hop, du graphite. Du graphite, c'est ça. Hop. Là, c'est parfait. Hop. Un autre graphite. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Hop. Ben, d'ailleurs, c'est vrai que notre boost, on peut le remettre là. Hop. Graphène. Alors. Ah non, c'est dans mon pack là. Alors, quoique maintenant, les choses qu'on fait dans le pack, on peut les faire dans les petites imprimantes. Éclairage, c'est celui-là. C'est quoi? Un cuivre. Hop, ça y est. On a un graphène, on va peut-être en faire un deuxième. On a plus d'hydrazine, on a tout utilisé. On va. Hop! Aller chercher de la terre. C'est bon, on en a encore plein là. Ah. Ah. J'ai mal visé. Les misclics comme d'habitude. C'est bon. On va attendre qu'il nous fasse un hydrazine et on va regarder pour notre éclairage pendant ce temps-là. Alors, du cuivre. Est-ce qu'on a du cuivre? Oui, on a un petit peu. Après. Bon, je vais carrément faire cuivre. Hop. Hé, on a notre vétole là, il est trop beau. Bon, on a plein de petites choses à ranger, mais on sera plus tard. Hop, on refait notre éclairage. Comme ça, on sera pas perdu. Et voilà, je suis content. Oui, du coup, c'était graphite que j'ai besoin là. Ça va, on en a aussi, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai oublié quelque chose dans mon pack là. J'avais autre chose, mais j'étais plein. Mais qu'est-ce qui m'encombrait? Ben alors, pourquoi il prend pas l'hydrazine? C'est pas grave, on va la prendre à la main, mais je sais pas pourquoi il le prenait pas. Hop. Bizarre. Ouais. Ah. Oh, c'est con, hein. J'ai dû une fois misclic et boum, enlever la rallonge. Bon, ben voilà. Hop, ça c'est prêt. On a tout ce qu'il faut. On a nos deux graphènes. Ah, je sais pas ce qui me manque dans mon truc. Non, bon, c'est pas grave. Hop. On y va avec ça.
On a vidé ce qu'il y avait là-haut, c'est bon. Et on est reparti. Hop. Direction Vesania. La prochaine vidéo, j'espère quand même faire autre chose que... de l'activation de cœur. J'aimerais bien faire un petit épisode usine. Histoire d'organiser notre base et de se faire un peu de production automatique. Ah, bah là, on a parlé là tout de suite du graphène. Ça, c'est une possibilité. Bon, il y en a plein d'autres. On a déjà fait le plastique et le caoutchouc. Et ça, c'est cool parce que du coup, maintenant on a du stock et voilà, on n'a plus besoin d'en être trop crafté à la main. Mais ouais, les trucs comme le graphène, des trucs comme ça, ça peut être bien. Bon, on avait dit, hop, ah, on fait la descente en overboard. Ça, c'est classe. Ouh, ouh, ouh. Du coup, on risque moins de se péter la tronche avec l'overboard. Ça, c'est cool. Ça amortit bien les chutes. Ça suit bien. C'est nickel. Oh. Je me méfie quand même un tout petit peu. Hein. Hop. Et là, hop. Hop. Oh, 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 oh. C'est par là qu'on va. C'est par là. On va essayer de suivre les lignes. Mais elles sont pas éclairées cette fois-ci. Comme on n'a plus notre rover à côté, hop. Est-ce qu'on peut rentrer avec? Ouais. Nickel. Hop. Et bim. Hop, on en prend un. Et on en fait un deuxième. Parce qu'ici, on va s'en servir d'un pour activer le cœur. Et l'autre pour les mettre sur la plateforme bizarre. Hop, donc on met un cœur, un triptyque ici. Voilà, on a avancé notre mission, on est à 4 sur 7. C'est bien ça. Et du coup, hop, on va aller sur le nœud brillant, comme ils appellent ça. Sur la plateforme extraterrestre. Hop. On va aller placer le triptyque au bon endroit. Alors. Quel est-ce que c'est? C'est sur l'air de celui-là, non? Ou celui-là? Non, c'est celui-là. Hop. Et ben voilà. 4 sur 7. Il nous reste plus que 3. Du coup, après, ouais, il restera ben, Glacio. La lune de Vesania, je sais plus le nom. Au fait, on peut regarder l'astropédie, vraiment. Hop. Planète, voilà. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. On avait fait Calidor, je sais plus maintenant. Oui, c'est ça. On avait fait Calidor, Vesania. Donc c'est Novus, Glacio et Atrox qui nous manquent. Donc j'avais dit, la prochaine, ça sera Novus. Ah bah, et puis ça sera Glacio. Ça c'est bien. Ça me plaira bien de retourner sur Glacio. Et puis après, ça sera Atrox. Mais c'est bien parce que Glacio, j'aimerais bien y retourner pour améliorer un peu notre base là-bas. Donc on pourra se réinstaller un petit peu là-bas et refaire un peu notre base sur Glacio. Et puis Atrox, mais pareil, on avait fait... Enfin, on va pas faire une grosse base, mais... J'aimerais bien quand même améliorer, mettre des GTR, plein de GTR, pouvoir produire un peu tous les gaz qu'on peut produire là-bas, parce qu'on en a plein. Bon, le nitrogène, c'est pas grave, mais l'hélium, le méthane et le soufre, ça peut être bien de faire des usines automatiques qui produisent automatiquement là-bas. Donc pour ça, faudra un peu travailler. Donc on fera ça petit à petit. Eh ben, hop, on va retourner. Alors déjà, on va retourner
Maintenant, il faut qu'on trouve. Hein. Il faut qu'on trouve la bonne planète. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Parce que ça, c'est Sylva. Avec, quand, là, je repère parce que la lune de la planète n'est pas encore activée. Mais sinon, il va falloir que quand ça sera activé, on va confondre facilement avec Sylva qui est là. Et il va falloir repérer au symbole sinon. Allez, c'est parti. On retourne là-bas. Voilà. Et du coup, c'était par là. Et hop là. Hop. Heureusement qu'on a ça dans le dos, c'est toujours pratique. Oups. Est-ce que je suis sur la bonne route? Oui, c'est bon. C'est parti. Voilà, c'est toujours tout droit. Ah, c'est cool l'overboard. Rajouter un petit boost d'ailleurs. Donc à faire, on a de l'hydrazine. Hop. Voilà, ça grimpe, hein. Nickel. Maintenant. Maintenant, c'est là que ça va devenir important. Ça, on va pouvoir mettre là. Ça aussi. Ah, on aurait dû avoir un deuxième stockage comme ça. C'est pas grave. Alors, on emballe ça. Hop. Ça, on va mettre là. On va déjà mettre ça là. On verra si on doit emballer ou pas. Il y a des choses qu'on va devoir emballer, ça c'est sûr. Ah, mais ça, ok. C'est vrai que j'avais déjà emmené le gros GTR, donc c'était déjà ça en moins. Bon, je vais emballer lui. Hop. Hop. Ça, on va mettre là. Ça, on va mettre dans notre dos. On va laisser ça là. Hop. Comme ça. Je mets ça là. Et puis, on emballe. Hop, on emballe le gros. Qui sera encore très gros pour la fusée. Et voilà, on a tout. Hop, allez, du petit cascadé. Allez, hop. Toujours ça de fait. Et voilà. Hop. Et bien, on est parti. Au revoir, Vesania. Bon, mais Vesania, planète sympa. J'avoue que j'avais encore jamais beaucoup joué sur cette planète-là. Et bah, c'est vrai qu'elle est encore sympa. Et voilà. Hop. On est tout bon. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, j'oublie pas les GTR. Hop. Prochain épisode, on va s'attaquer à ça. Et oui. J'ai encore rien fait. J'aimerais bien faire
On se fera une mini-usine à composite pour produire 160. Donc on ira chercher pas mal de terre, je crois. Et puis produire du composite en masse. Puis on verra. Ça, c'est le cuivre, je pense. Et lui, je sais pas du tout ce que c'est. Mais on se fera des usines pour faire chaque palier. Ça sera sympa. Est-ce qu'on peut mettre des toutes grandes? Non, c'est que des bonbonnes moyennes qu'on peut mettre là-dessus. Bah oui. Faudra qu'on s'en fasse 4. On va mettre combien? 32. Et il en faut 160. 32 x 4, ça fait 130. Non, 128. Je sais plus. Oui, 32 x 4, ça fait 128. Ouais, il faudra le faire en 2 envois de toute façon. Ouais. Sinon, avec 3 bonbonnes, ça sera pas mal. Enfin, non, de toute façon, il nous en faudra 4 pour à la suite, donc on pourra en faire 4. On fera 4 bonbonnes et puis on regardera ça. Mais ça sera pour le prochain épisode. J'avais déjà commencé, hein. J'avais déjà mis une centrifugeuse là. Donc ce qu'il nous faudra, c'est des bras et de la terre. Et puis pour le cuivre, faudra qu'on aille miner, hein. Je sais pas avec quoi, mais il faudra qu'on aille miner. Pas beaucoup. Bon, on regardera ça la prochaine fois. Et puis ouais, j'aimerais bien faire des épisodes aussi usine. Je sais pas ce qui nous manque comme usine. Caoutchouc plastique on a. Après ouais, les usines alliage d'aluminium, bon c'est pas tellement compliqué, mais bon faut avoir les matières premières, quoi. Un carbure de tungstène, ça sera déjà un peu plus intéressant comme usine à faire. Graphène, bah ouais, ça, je crois que ça sera la prochaine usine qu'on fera. Ce sera le graphène, comme on a déjà de l'usine à hydrazine en plus, bah faudra rajouter du graphite et voilà. Diamant, je sais pas si ça vaut le coup de faire une usine pour ça. Bon après, comme on aura l'usine à graphène, éventuellement en extension de l'usine à graphène, on pourra faire en sorte de retransformer du graphène en diamant. Mais en soi, si on a l'usine à graphène, on récupère 2 graphènes, on met là-dedans et il n'y a pas besoin d'automatiser, je crois. On n'en utilise pas tant que ça. Hydrazine, ça c'est déjà fait. Usine à silicone, pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut s'en servir facilement du silicone. Donc, faut juste faire le plein de méthane. Donc, mettre une grosse bonbonne de méthane. Et puis, résine et quartz, ça on peut faire automatiquement. Donc, une réserve de méthane et une réserve de terre, et ce sera bon. La poudre explosive, c'est vrai que maintenant qu'on a la TNT, on pourrait faire, pas une usine à poudre explosive, mais direct une usine à TNT. Je pense que, ouais, c'est pas encore trop. Ouais, c'est faisable. L'acier, est-ce que ça vaudrait le coup de faire une usine d'acier? Peut-être. Peut-être. Réfléchir. Titane, c'est pareil. C'est pareil que l'acier. Le titane, ça sera pareil que. Ouais, bon, on verra. On verra. Prochaine usine, ça sera le graphène, je pense. Graphène, puis silicone. Bon, eh bien, on a tout dit. Ce fut un bon épisode aujourd'hui. On a encore bien avancé nos missions. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!